Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation d'une identité complète pour une équipe de e-sport fictive. Effectivement, j'avais envie de publier ce genre de vidéo depuis très longtemps et j'ai tourné celle-ci la semaine dernière. Alors, il me manque le rush de début où je réalise le croquis du Fennec, mais c'est pas grave, on continue. Et j'ai beaucoup traîné à faire la voix off parce que je suis jamais satisfaite. J'ai beaucoup de mal à m'écouter et je trouve ça plutôt désagréable, donc j'espère ne pas être trop désagréable à entendre. Dans tous les cas, j'espère que j'aurai des retours et vu que je vais sûrement pas m'écouter, j'espère ne pas omettre d'informations importantes ou intéressantes qui pourraient servir la vidéo. Dernier temps, je me donne l'opportunité de réaliser des projets que j'ai toujours voulu faire, mais de manière fictive. Donc je me prépare des briefs et je me challenge un petit peu sur des défis créatifs. Et donc là, du coup, je me lance sur la réalisation d'une identité visuelle pour une équipe de e-sport. Donc j'ai également pu créer le nom qui sera Fenico e-sport team. Et du coup, on part sur la réalisation de la mascotte qui sera un Fennec.